en ce moment. Pareil. Ça t'a bien raison, je prends les warps que... sur des chiffres de... Je crois qu'en l'ADN, moi. Ding dong, oui. Ouais, je suis mort. Quoi? J'ai rien dit. Allez, va jouer ton match. J'ai rien dit. J'ai pas de match. Ouais, ouais. Ok, c'est parti. Fini mon sandwich, je commence quoi. Allez, Jed contre User, comme je l'ai dit, c'est le choc des générations. Oh là là, il y a des choses qui se perdent et pas. Bien évidemment. Oh chiche peut-être que la progression n'existe pas, mais la régression non plus. Ouais. On peut pas régresser sur Smash, surtout quand on joue pas lui. Il a pas de casque. Même progresser en faisant rien. Il a un casque jeune ou pas? Bien sûr. Ah ouais. Je sais pas, hein. J'ai pas l'impression. Ah si, je le vois. C'est User, il joue qu'avec le son, il m'avait dit, c'est sans doute ça, c'est tout le temps. Et là pour l'instant, User. Il déboule. Il est en place, hein. Ah ouais, et Jed un peu moins, mais ça va venir, ça va venir. C'est pas grave, c'est le genre de SD qui arrive en début de set. Là, faut garder le mental, là, faut rester dedans. Là, ouais, va pas falloir. Et par contre, comme back Palu avec une stock en dessous, c'est chaud, hein. Faut approcher Palu, ça déroule de back air. C'est un aspirateur Dyson, frérot. Là, elle met la taxe, là. Dernier cri. Bien sûr, est-ce qu'il va nous mettre la spéciale User? Vous savez, le nerf au ledge et puis d'un coup, il drop d'honneur. Ah ouais, ouais. Termine ça. Ah ouais, frère, il m'a pris 17 comme ça. Ouais, ouais. Ah ouais, on ouais, va. Le 7 gomme n'est du qu'à ce coup. Je te jure que chaque game qui flotte, il me fait nerf au ledge. Il attend, je descends, bam. Comme ça. Bien sûr. Mais après, on l'a vu ce tentez de nerf. Oh là là, les phases d'avant. Oh attends, wesh. Ça redevient un peu even. Les gars, Jed a un avantage alors là. On revient au pourcentage. Jed a le pire avantage de Bordeaux. Alors de base oui, mais là regarde cette face qu'il a mis là. De base oui. Et pourtant je suis là, hein. C'est vrai que t'es pas fameux non plus. Contre Chama, parce que je te mec en ladder, laisse tomber. T'es pas fameux non plus, hein, ouais, avantage. Alors que Guyou tout à l'heure il était impérial, frère. Ça Guyou défaut. Non mais Guyou en avantage il est vraiment chaud, hein, par contre. Ouais. Et là c'est pas le débat, là on est sur faire. A neutral B, neutral B. Nerf, ok, backer de Palu, on le voit moins souvent celui-là. Au final, on parle, mais Sora il a kill pour 100, il suffit. Oh, il est tout mignon, c'est un ledge run, il a fait super lentement, t'as vu. Il s'est chauffé. Il a fait un ledge run, mais ça a pris 25 frames. Il était trop mignon, ouais. C'est ledge run, tu sais, quand tu l'apprends à quelqu'un et qu'il essaie de le faire genre bien, pas trop cramé tout dans un set, mais du coup il peut ralentir, oh non, c'est trop ça. Je vais pas m'SD. Il était trop mignon. Ok, ça va faire de la garde inesquivable. Oh là, c'est inesquivable. Okay, bien joué, il a c'est inesquivable. Ouais, bien joué à lui. Bah, en vrai, c'est très majeur de la part de Jed, c'est bien placé là. Bah, il fait Thunder, reste appuyé sur B en avant. Ouais, c'est ça. Hein, un bon placement, après, ça User de Mixer, t'as d'accord par le high dans cette situation. Mais c'est compliqué. Mais il prend le Thunder. Non, si, ça t'a marre. Regarde là, tu vois, là, il a forcé à repartir vite. Mais il est pas le stress, je regarde le boum boum boum. Donc, bam bam bam. Déjà 60% là, déjà pris. Ouais. On parlait de la remontada de Jed, par contre, c'est au flex, c'était 0 to death quasiment, même 0 to death, je crois. Attention, le saut, on a failli sauter dans le Thunder, ça aurait été terrible. Si DI est mal, parce que je sais pas si. User a arrêté, c'était sorti sur A. Ouais. Ah, c'était. Je crois pas. Hein. Ah, si. Mais je sais qu'il a affronté les débuts de mon Sephiroth. Ouais, j'avoue, hein, Sora, il a pas dû en prendre. Alors, c'était sorti, mais Jed n'était pas encore totalement sur Sora. Ouais, il jouait plante. Il était encore sur plante. Il faisait sa transition. Ouh, le backer. Ou le backer là, tu le vilain backer de User, de Palutena même de manière générale, qui apprend la stock et on prend des potions supplémentaires là-dessus. L'attaque. Il est comme un ouf, lui. Oh, la spéciale. La spéciale. Il a fallu faire la spéciale. User. Et ça aurait fini le set, frère. C'est un peu une Gulu Takera quand il pense au final. Non, mais sauf que lui, il le met à chaque set. Ok. Est-ce qu'il sait? Jet il est alerte, hein, pour l'instant, même en edgeguard il se prend pas grand chose, ouais. Par contre il met des belles phases et on remonte côté User. Attention, on va voir. Là ça fait pas de truc stupide, ça reste carré dans l'axe. On a le Thunder. Oh attention, okay. Oh, le prochain Upper là il va tuer là. Oh, si haut là, j'ai envie d'y aller. Putain, ça va que User il a rien à perdre là. Attention, explosive flame, est-ce qu'on va tenter des trucs? Là le frame est gratos, hein, sur Sora c'est gratos avec un bon choix. Oh moins mignon. Moins mignon que celui de tout à l'heure, il était plus malveillant. Il était malveillant celui-là. Malveillant Smax, frère. Il était en mode enflure ce Oh la DI. Oh la DI. Oh la DI. Echo 16, non. Oh la DI. Hein? Echo 16. Sert un pays au pif, finissant en. Bah Echo 16, hein. T'as pas reconnu? Dommage. La DI, il venait tout droit de PokerStar là. La DI venait tout droit de PokerStar. La DI, PokerStar. Akichiro, Wadjet User, back to 2021. Là, il avait pas de perle sur cette DI. Il avait rien du tout. C'est vrai, il a arrêté quand, User? Il y a un an? Ça fait longtemps. Poker ou Smash? Ça doit bien faire un an parce que le dernier gros tournoi qu'il a fait. Il était là à l'ultimate monté, c'est en septembre 4. Qu'il a arrêté. En septembre qu'il a arrêté. Ok. Ouais. Carré, ça fait pas 9 mois quoi. J'ai fait une pause qui a duré son temps quoi. Avant s'il a joué un peu ou si vraiment il a pas joué pendant 9 mois, ce qui m'étonnerait parce que. Mais c'est même pas sa manette, il a déjà, ouais, il est arrivé, il a demandé qu'il y ait une manette, s'il te plaît.
Ah, le il flexeur. A dit, elle sous le flexeur. T'imagines, il gagne le tournoi comme ça. Ah, les gars, c'est pas ma manette. C'est pas ma manette. Finit-on, il rend la manette au proprio, il fait la moitié du cash. Oh, les gars, c'est bientôt fini le triplé là. Et là, il déboule. Hein. Et là, il est en prison là. Ouh, ouais. Aïe, le bac là. C'est les classiques, hein, il connaît. Hein. Oh là là, oh là, 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 là. Toujours un peu nul quand même. Si, mais... Sora était sorti il y a 9 mois, bien sûr. Oh, ça. Ok, bonne diable à part de Jed là-dessus. Ça a 2 ans les derniers DLC, je crois. Ouais, c'est sorti en décembre 2021, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, du match-up, mais j'ai l'impression que c'est deux personnes qui se sentent quand même vraiment nous. Tu sais, leur win condition c'est en l'air, grosse phase d'avantage à partir de Rio. Je pense que Palu a bien l'avantage. Zoning, ouais, mais j'ai l'impression que Palu est meilleur parce que plus rapide, plus mobile. Non. Pas lui, mais oh oui, oh, il a pas tué. Alors s'il avait fait F smash à la place, c'était le kill assuré, mais il s'est dit que le F smash ça touchait forcément vu que c'est actif pendant 600 frames. Je veux l'air exact. 600 frames, 600. Bon, ouais. Savoir le savez. Voilà. C'est presque autant que le flood de Mario, mais sauf qu'il y en a que ça a quelque chose. Ok. Ok. On arrive à s'extirper du ledge trap. Quand on connaît pas trop Jed, etc., machin, Sora, sortir du ledge trap avec la glace, le feu et tout machin, c'est. Ah ouais, c'est fatigant. Ouais, mais quand t'as pas lu, t'as la dash attack, le TP cancel. Regarde ça. Autre singe. Ouais, non, non, comment tu sors? Comment tu sors? Il est en prison là. Oh, prison break. Dommage. Ah là, il s'est bien senti. 108 après hit. Oui, c'est ledge trap tout seul juste pour lui montrer, moi aussi je sais faire. Oh, le cross up à l'ice. Qui vous dit, il y avait pas Sora il y a 9 mois, mais oui, mais si. En tout cas, y'en a un qui est pas fou là, c'est Jed qui reprend cette stock, enfin, c'est user pardon, qui reprend cette stock. Ouais. Putain, mais attends, les miens ils collectent pas sur Sora spécialement ou Jed dit avec un boss? Ah là, la spéciale. Elle va passer, les gars, moi je dis, elle va passer à la fin du set. Moi ouais, je pense qu'elle passera pas. C'est la Konam stat, hein. Si elle l'a fait 10 fois Konam, il va la faire une fois. Jed. Ah, il me l'a fait 10 fois. Ouais. Ouais, je pense que Jed il est aux aguets. Il est présent. Moi je jouais Wolf, donc il me le mettait à 0, je mourrais. Oui, j'ai pas Sora qui peut. Ah, je sais pas quoi là. J'ai pris 3 d'honneur, bon bah je vais lancer mon EB. Mais bon, en tout cas, on continue. User, s'il a bien un truc qu'il a pas trop perdu, j'ai l'impression, c'est son ledge trap. Hein. On est à la prison. J'ai pas de nom de prison. Là, mec, c'est Alcatraz. Hein. Alcatraz. Alcatraz. Guantanamo, tu vois. C'est Guantanamo, mon gars. Bah, Guantanamo. Parce qu'en plus, il maltraite ses prisonniers. Il a déjà son petit prisonnier. Là, voilà, il lui fait sortir la poche. T'as fleuré mes registres, lui, là, mon pote. Il fait grave les défenses, frère. T'es au beau maître, mon pote. Là. T'es à Marseille, okay, c'est les beaux maîtres. Ça veut garder la glace pour le ledge trap, on le connaît le filou. Mine de rien, on s'est posé beaucoup la question de Sora pour l'user. Mais est-ce que Jed il connaît bien pas lui, tu vois? Parce que typiquement, sur des petits explosive flame au ledge, là, c'est des petites conneries. Quand tu connais pas lui, ça arrive pas, ça normalement. Bah, c'est des rivers, c'est un peu gratos. Ça peut arriver, hein, tu vois, tu fais pas attention, tu te le prends. Ouais, ouais, carrément. Même quand tu connais, tu vois. Ouais. De toute façon, c'est positif, bien sûr. Ouais. Puisqu'il y a je sais risque. Ça, tu recules, tu fais une grosse collab. Ok, est-ce qu'on a peut-être une petite dinguerie là? Là, je sens que je et on a pas envie de donner. Ouais, il l'a attrapé par le callback. Ouais. Ça, peut-être, il connaît pas le aussi parce que les side B de Sora, vu que ça snap jamais, il peut tout le temps donner. Hein. Ça, le fait que le side B est toujours horizontal, c'est un truc à savoir. C'est dommage, on aurait pu avoir à EPR là-dessus. Parce qu'il a un Wesher. Il va revenir. Oui, bien sûr. Il a eu un doute, il est trop mignon. Il arrive, il voit Sora au stage, il dit que ça va revenir. Mais bien sûr, il a fait le trajet Terre Lune là. Au calme. Ouf. Ok. Oh, l'explosive flame là-dessus. Là il aime bien. Là c'est le user un peu campy qui aime c'est bien. C'est la palue qui devrait jouer contre Sora je pense. Tu vois un peu le campy qui peut forcer l'approche, plus de mobilité, ouais, des okay. Bumbers options. Enfin tu vois, respecter un peu sa midrange. Ouh. C'est quand même risqué les petits reverse là qu'on se prend, c'est un peu dommage. En fait il cherche le kill, les 146, toujours pas trouvé, la rage elle est là. Là on a un backer, malheureusement on n'a pas pris face roll assez tôt. Oh là il y a pris des dash attack, ça va tuer. Voilà. Là avec une bonne DI on s'est sorti. Et on est quand même assez even, hein, 40% d'avance du côté de Jed. C'est pas grand chose hein. C'est un air de palu. C'est un air, une taxe palu. Après putain on a pas pu trouver tant de séries de nerfs que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Que ce soit le peu de fois qu'on a trouvé déjà. Le DI et que ça. La DI roi de la part de Jed de AliExpress, la DI. Jed il a très bien joué, t'as vu, il a provoqué le nerf, le dégrave nerf de Palu et il a bien shield, il allait punir ça ensuite parce que ce dégrave nerf est okay. Attention, ok, petit il peut mourir. Il peut mourir sous ce upper. Ah ouais, tu vois que j'en ai vu des max. Max, si DI mal, clairement, il est cul. Max, c'est un max. Oh, F smash, c'était la mort. Et là, par contre, il n'a pas la vous êtes des malades, les gars. Dose, le F smash, à 40, ça neutral B. Au modère, pondère un petit peu tes propos. Pondère un peu. Oh, il a bait à H-Rump. Trop malin. Trop malin. Depuis le début, il fait des H-Rump. Là, il l'a bait. Oh la vache, c'est le genre de et là, il y a des trucs qui font peur, je sais pas lui. On a le dump kill backer, on a la backswap qui tue, on a pas. Oh ça tue, non, ça tue. Il a fait un bait à shield, j'ai jamais vu faire ça. Il a jamais fait ça. J'ai jamais vu faire ça, wesh. Mais clutch de Jed. Le kill power de Jed qui va s'améliorer. Qui dans la salle détient la manette de Jed. Qui fait le set à sa place. Rendez sa manette à Jed. Ouais, j'ai jamais vu faire ça, wesh. Tu sais, dès qu'il campait, il lui a passé à Jed et dès qu'il campait plus, il a passé à. De ouf. Il a passé à Vitch, c'est un mec bien vénable. Tiens, prends ça, toi. Allez.